une émission vraiment vous partager en haut et vous ça vous bien sauf de partager et vous liker émission tous allez que je la bino Mike Issem la minute voilà c'est parti merci décorément nous joyeux à la minute voilà salut Mike Issem merci encore une fois il y a qu'on répondre à appel il y a l'élo sur notre émission awa si j'ai na biso ndenge toujours au show là. Donc, toujours au Lubila Likamouya, Félix Chilombo, est-ce que le peuple congolais, toujours au répété, a qu'on permettre Félix Chilombo à prêter serment. Il paraîtrait que, bah, outipé qu'on pousse serment, prestation à serment, au lieu que ils aient la date fixée par la loi, le 24 janvier 2024, bango, bah, pousser un peu avant, bah, lobby, il paraîtrait, ça reste à vérifier, et qu'on aura le 20 janvier. Et là, on a mis le combat. Le mécanisme est salé pour les mis à combat. Il y a un peuple qui a déjà été fixé la date qu'on a fixée le 24. Est-ce que la stratégie est autre que de dévoiler à la date? Mais la température est en train de se décider. La température est en train de se décider. La température est en train de se décider. Le président élu. Merci, Lissou Mike Issem. Vous allez le fils politique. Il y a le président élu Martin Fayulu Madidi. Merci encore une fois, Nikonangaï, d'aller au rejoindre Bissot. Salana à l'aise, comme d'habitude, nous sommes dans le Malo Beza Panayo, Mato. Merci beaucoup, Boloto. Merci, Pepe Lavandegonio, surtout Bissiga Bazako, Yalpola de Bissot, Nakinjasa, Pé, Nalibanda Mboka. Et Nazako signalé que non, même lui-même, le président élu, le commandant du peuple, Nazako, on était dans le moment où, Nazako Landabino. Donc, ACP déjà l'émission, CG et Pinandengue, vous avez évolué. Merci. Donc, merci. Je suis un peu plus tard, je suis un peu plus tard, parce que les gens pensent que je suis un peu plus tard pour la bien pour la. Non, je suis un peu plus en tant que journaliste d'investigation, mais Oyo a défendu la valeur. Donc, je suis un peu plus tard, je suis un peu plus tard, je suis un peu plus tard, là d'abord, il y a un peu plus tard, je suis un peu plus tard. Donc vous êtes un journaliste impartial, vous pouvez notre micro. D'ailleurs, vous avez un micro libre. En tant que taliban, vous avez un micro, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi ça 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 vous pouvez. Une fois de plus, n'a pas congolais, n'y a surtout ici à Basali, et bonne année. Papa, il n'y a pas de concernant date à le 20 janvier. Pour nous, en tout cas, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Je crois bien, Olanda Kingaï, n'a pas déclaration à Saraki avant-hier. Dans mon copain, il y a un journaliste, ou bien un journaliste du pouvoir, à l'Ekaki, n'a pas de Kambaloukouta, pour nous, ça n'a pas de dénonciation calomnieuse. Et c'est là qu'il y a le cadrage. Donc, mon aki, ton lekaki, ton betaki, c'était la minute. Donc, il y a des problèmes parce que déjà, lobby lundi, l'église catholique, à travers ses avocats, bah, lobby qui va reporter plainte. Mais, moi, mon nom, ça s'en va juste, comment bah, dire, ils ont juste distraction parce que, bah, tout, nous, tout, bah, qui m'a commencé, le balai, ça n'en va pas, ça, ils ont ma gamme, parce que, silence, la biso, bah, tout le monde, bah, comprendre le sujet. La moka est cité. Jusqu'aujourd'hui,
n'y a pas eu rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Mais dans le monde dans lequel le Rwanda Burundi, à Yoki Tantakyo, il y a un groupe rebelle, aux Oligaman Aguatekebango, ils ont fait quoi? L'herbe Yoki Kino, au Rwanda Zanasima, groupe rebelle, Rwanda, ils ont fait quoi? Ils ont fermé la frontière contre le Rwanda. Bravo. Et puis, même pas le Rwanda, entre les relations diplomatiques entre les deux pays. La Burundi. C'est vraiment félicité. Hein? Voilà. Oui, mais ça, c'est quoi le plus haut? Pendant 5 ans, il y a un régime où il y a un participateur. Nous, on a mis sur Banda qui nous a agressé Banda Kala par les M23. Ils ont nié que les M23 va exister. L'air, maman, ils sont rentrés pour la gagne et Kéi. Routou, le Kéi, Massis, le Kéi. C'est à partir maintenant de là que tu le Malobi, on a noté, voilà, l'agresseur, c'est Kagame. Mais tu connais déjà l'agresseur. Tu connais l'agresseur et puis ma troupe étrangère, basant la mort à la bise au Congo. Mais ils ont le bagueur, on a noté, voilà, les jours où il y a pas le mort, le Zazana Goma, je viens de réagir. Mais lorsqu'ils ont pris Bounagana, Bounagana est en RDCD. C'est à partir de là que nous comprenons peut-être que Bakor, Bassinara, Kagame, après ça, Bango, Routou, là, Massisi. Mais bon, maintenant, de l'autre, voilà, vous avez compris. C'est ça, parce que ce n'est pas normal. Alors, Routou, Massisi, ça fait partie de notre pays. Mais comment se peut-il que non, il n'y a pas de rien, soit il va te recouvrir la bande à Routou, le Bazaba Congolais, soit il va rejoindre la bande à Sisi, la bande à Congolais, mais comme on est à place du Missiba Bicept. C'est quoi? C'est une contradiction. C'est par là que nous avons compris que voilà, Kagame, dans la savane, il est toujours en contact avec Tchulombo. Si, si. Mais, alors ça, là, il y a un peu de la moïe. Par exemple, l'ennemi, mais la boutouba, mais la rachampagne, les places, moi, la boutouba, sur la rap. Donc, c'est comme ça. Parce que ceux qui sont là, qui n'ont réellement Tchulombo, à ça, là, qui. L'histoire qui a mis la fin à M23 et puis à faire face à Kagame, je pense que la minute, la frontière de la mission entre RDC et la Rwanda, l'Ingrid est à la permis. Jusque là, nos frontières sont ouvertes. Et comme il y a des gens qui sont passés ici, ou bien Routchourou, ils font les canons par Ouganda à Koye Gomu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un tellement qu'ils ont pris par les M23, moi, on les a dit, c'est-à-dire, au lieu de la Sony, société la mission, il y a transport congolaise pour Nadra. Donc, ça va les communiquer, voilà, de reprendre ma course la mission. Donc, de Goma jusqu'à, je crois, à Butembo. Mais il faut passer, je ne sais pas, par Ouganda. Parce que par équipe, ça, on a déjà contrôlé par les M23, comme les alliés et les sécurités. Donc, congolais, on a ça, en Ouganda, à côté Ouganda, Ouganda, à Eosaline, à Enagoum. Dans quel pays sommes-nous? Est-ce qu'on peut accepter des choses? Vraiment. Et puis, Ouganda, là, il dit bon, moi, le bureau, voilà, comme on a son Ouganda, il peut entrer, ni le droit de visa pour supprimer un mot, donc vous pouvez entrer par Ouganda, tout ça. Il y a des accords, ça prouve à substance qu'il y a des accords signés entre Tshisekedi avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Aujourd'hui, les agresseurs sont connus. L'Ouganda, il est parmi les agresseurs. Parce que Bounagana, c'est tout proche de l'Ouganda. Qu'est-ce qui empêche que Ouganda, Wana, Oyo, Aza, ceux qui payent, ceux qui payent frère, la RDC, a dissoudre le groupe Wana M22. Et puis, Mike, sans vous interrompre, je m'excuse. Te rappeler, peuple congolais, qu'au moment où je vous parle, pouvoir est en balabala. Et puis, au moment où nous parlons, Bounagana n'a pas voté et personne n'en parle. Batupe Bazo Sepela que résident provisoire, il y a Félix Lomé. Bounagana et Baba entité Moussousou, ma territoire Moussousou, n'ont pas voté. Mais comment élire un président comme ça? Bounagana votait une grande partie à Routchourou Massisi. Bazo les a occupés par le M23, va s'en relater, va voter PT. Quand nous trouvons dans la bande, il n'y a pas eu un rendement, Batupe va voter. Donc jusque là, donc les sécurités vont se récolter. Massambio, c'est à quelques kilomètres de Kinshasa, je crois à 200 kilomètres de Kinshasa. Si. Jusque là, nous avons une sécurité comme ils sont ma casse, la grande bande que tu ne peux pas imaginer. Et plan et balkanisation et mon banabiso, nous tout haut et le col à l'homme orchestre. La minute papa et non, nous avons des révélations. Il y a un moment à Tolobi qui est non, et qui comme ils sont les camamabele, les camamakila. Ce qui se passe dans notre pays, c'est un complot. C'est un complot contre la République démocratique du Congo. Disons ceci que non, nous n'allons pas accepter que notre pays soit balkanisé. Nous n'allons pas
accepter que tout le monde en époque, il y a impérialisme et la colonisation. Il y a un abus sur la Congolais de ces destins, de l'objet de l'homme, voilà. On ne va pas attendre l'appui extérieur de Nord-France, tout ça, parce que ce ne sont pas des Français, les Américains qui viendront donner des solutions aux Congolais. Jamais. 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 Parce que na appel on a joué babi que mais papa ino force à Mike et Utaka wapi. Voilà ma, la question qu'on m'a posée mais force à Mike et Utaka na détermination y a ba bon valeur pour na libérer Mboka. Alors tout la nana vidéo yo Mike après na couper sur parole. Voilà peuple congolais bota la vidéo. Le peuple de l'Est est terminé. Le peuple se prépare. Le peuple se prépare pour appliquer l'article 64. Peuple congolais, nous sommes allés bien, nous été bien, nous sommes allés 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 bien, nous l'agitation, il y a bateau dans les allés bien, nous sommes allés bien, nous sommes allés bien, parce que ma première bien, nous été peuple nous sommes allés bien, nous sommes allés bien, nous sommes allés bien, 2023 et vous avez pour la 2018. Le Congolais est déterminé à mettre hors d'état de nuire ces régimes de frappeurs, des usurpateurs, de messieurs. L'histoire du Congo, c'est que là au Congo, et par les Congolais, on a écrit notre propre histoire. Donc, nous allons écrire notre propre histoire. Chilombo est son union sacrée. Celui qui va être le Congo à la légèreté, mais il va être le diligent, et ça ne parlera personne. Nous allons appliquer l'article 64. Ça ne sera pas la nuit, en organisant des messes noires,
organisa de façon subvertie. Ça sera les jours. Nous allons chasser Tchimémo les jours et nous allons appliquer l'article 64 les jours. Le peuple est souverain conformément à l'article 5 de la Constitution. Il n'y a personne qui est au-dessus de la Constitution. Il n'y a aucun individu qui est au-dessus de la Constitution. Voilà pourquoi nous allons appliquer l'article 64. Pourquoi? Parce que c'est le seul choix qui nous reste pour sauver les Congolais. Merci Mike, je crois que vous avez suivi peuple congolais. Olandi Oyo Mike Alobi Awa, Isabella Bongo, Yangwana Nazo qui appelle Babingame. Force à Mike et Utagawa qui secret et Zaline. Mike, à vous la parole, merci. Oui, papa, il nous de force et Utagawa, Bisso, Yébi, bien tout ça, Christou, Zambé Moutapé, ça va Bisso Pema, Otofout et la Rambon, Théorie, bien, très bien, Kola, la Rolambouza, habitudité. Mais ceux qui sont là, ils sont là, et puis ceux qui sont là, ils se faire face. Il y a Bangoula, il y a Bissot, Bazolinga. Batebele, en tout cas, présence dans la même dans l'Union sacrée, donc Batebele, Bazan, avait insomnie. Bazoluka, Monsieur Bazoluka, Mada Boutou, Monsieur Bazoluka, Mada Moïma, comme tous les gens, mais on se montre à Dino Bazoukoukate. Mais tu as raison à s'y parce que, oui, tu as raison à s'y mater. Force, ils ont la détermination, l'engagement, tous les gens. Pour les gens, tous les gens, pour la Congo. Tous les gens, on a été pour la Fayoul. Ou bien pour les présidents élus. Non, ce n'est pas ça. Nous faisons ça d'abord parce qu'il y a une vision pour les Congo que nous avons. Il y a une idéologie. Il y a un objectif qu'il faut atteindre. Moi, quand la piste se retourne à mon pied, au lieu de avancer, tout comme M. Gozo va se passer. Ce que nous avons acquis il y a 5 ans, 10 ans, si c'est que des ressources au Pomayango, donc fois 10, même à cause qu'il est long. Dans une effectivité à pouvoir, papa, il nous dans un amoussala macassia, dans un amoussala macassia, dans un amoussala, parce que Chilombo a tout détruit. Il a systématiquement, donc, détruit la RDC. 4 ans, il a tout détruit. 4 ans, il a tout détruit. 4 ans, il a tout détruit. Ils sont écouffés. Mais dans l'ingaté, pas enterré à moi. Vous en comprenez? Oui. Attends qu'on est écouffé, dans l'ingaté qui va enterré à moi. Des ans, comment n'est-ce qu'il n'y a pas l'amoussala? Il y a un moment donné qu'au lieu qu'il va enterrer Mbogana Bisso, RDC a disparu, tout comme on a vu le peuple palestinien, on va se battre, on va se battre. C'est le moment que tous les Congolais, partout où vous êtes, et Seigneur, Bisso, tout le monde va manquer au totale. Tout le monde va manquer au totale parce que le pays est en voie de disparition. Tout ça a un engagement parce qu'aujourd'hui, papa, il n'y a pas de temps à me dire que non. Quand tu m'as dit que non, le président Martin Fayoulou, qui a sacrifié toute sa jeunesse pour le combat de la libération de notre pays, parce que M. Bazo Mounagueno, ils ont le moment facile. Ils ont facilité. Ils ont facilité. À titre de rappel, il faut que les gens sachent que non. En 1992, lorsqu'il y a une marche des chrétiens, au Ebagamo, le 16 février, au Bétaga Batumassas, à l'époque, là, le président élu Martin Paulo, à l'heure de Mouna Mouké, et son fils Hélène n'avait même pas une année. Mais il était dans cette marche-là et il y a eu des chiens qui sont tombés qui étaient juste à côté de lui. Maintenant, regardez après combien d'années les lots, il y a Moutassi Miflam à Komao. C'est pour vous dire de quoi. La minute de Nézan Kolobi, tout le monde a les commandants que le Martin va lui mon côté. Aza Moutou, l'homme est faillible. Demain, il peut mourir. Demain, il peut être malade. Demain, il peut aller à la retraite. Mais qui va prendre maintenant ces combats ici de la libération du Congo pour que l'homme Mboka n'a pu jouer sa ladine et pour moi. Papa, il ne faut pas avoir un mot, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de testament, il n'y a pas de testament, il n'y a pas de et le moment, l'air a sonné. Le monde est mort, mais son esprit continue de vivre dans les Congolais. On n'a pas besoin d'être 150 millions pour faire la révolution, mais pour appliquer l'article 64. Non. Donc, je vous dis, tout ça a besoin d'effectivité. Il suffit seulement que tout ça là, un petit nombre, des hommes déterminés, engagés comme moi, d'un tout ça déjà ébellé. Papa, il nous, lorsque nous allons appliquer l'article 64, le Congo va changer et vous allez voir comment est-ce que les choses vont changer. C'est pour cette raison que moi, je dis que nous autres ici, nous ne voyons plus, comment c'est-à-dire, nos intérêts, tout ça. Non, moi, je ne vois que le Congo et puis je vois. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que jeunes, aujourd'hui, pour relever les défis afin que notre pays ne puisse pas demeurer dans cette situation? Parce que celui de l'autre salaire à moitié, l'on y va dans le retour à Bissot. Papa, pourquoi à l'époque, là, vos salariés à moitié?
Dieu partout. Les mots ont été à l'époque là, Bazabazalaka, mais tout ça. Personne n'avait pris le courage de Lumumba. Donc si Lumumba n'avait pas pris ce courage-là, aujourd'hui, tout le monde serait toujours dans la colonisation. Mais c'est à travers son courage, il a dit non, niet. Il y a eu des gens comme Dekimba Vida qui étaient contre l'impérialisme. Donc vous connaissez très bien l'histoire. Voilà. Donc, et puis Lumumba dit ceci, que non, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais et au Congo. Ne pensez pas que notre histoire sera écrite en France et par les Français, impossible, ou bien par les Belges, impossible. C'est nous-mêmes qui allons écrire notre propre histoire. Vous avez vu qu'il y a eu un simulacre d'élection. Malgré que ce soit par exemple, dans l'intérêt de Bango, les impérialistes, les colonies, les Américains, les Français, tout ce monde-là, comme ils regardent leur intérêt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont félicité la personne que eux-mêmes savent que l'on voit là, à Tigali, à Dabo, soit 1% de la bénédiction. Mais ils ont cautionné cela parce qu'ils ont félicité. C'est pour nous dire quoi que l'on voit là, Bango, Bazan n'a pas d'intérêt à Bango. Ce qui est le Chirombo, à ABC, Bango, on était voilà, la Roupe, Sabino, une partie à RDC. Pendant Mitali Bango, il faut le féliciter et en retour, je suis une partie à RDC. Mais c'est nous maintenant les Congolais, les Togosan, la place à Rokino, Panda. Donc, comme on le voit, le peuple israélien, comme on le voit, c'est le moment d'agir. Voilà pourquoi, face à cela, papa, il y a un nationaliste, il y a un Mumba, il y a un Kimpa Vita, il y a un réama qui va tout le biso moralement. Même la morale, nous sommes suivis et poursuivis. Vous n'allez pas avoir d'idée. Nous sommes dans des casernes. C'est pour cela. Je vous dis, nous sommes la cible même de menaces. Nous sommes la cible de tout. Aujourd'hui, Moudrou Langa, ils sont dit Zuinga et pas Moudéba, pas Taliban, de la Koki même Kosa Langa t'a capri. Mais pour le Congo, nous n'avons plus que non. Je dis la vérité et je vais combattre pour mon pays. Donc on n'a pas besoin de reculer parce qu'il y a des menaces ou bien il y a quoi. Impossible. Laisse-moi profiter de cette occasion parce que c'est vraiment très important. Bana Congo, Boyoki Makamouma et Kazuroloma. C'est pour cela que je réitère les sous demande toujours de ça. Biso la chaîne A, tu sais, tu sais, papa, il n'y a jamais de Sénabino Bongo, au sommet de la caméra, au Bossala, non. Au moment de la chaîne, c'est papa, il n'y a pas de Sénabino Bongo et à mon tout. Est-ce que Boyoki? Alors, peuple congolais, je réitère demande de Biso tout ça la fois passée. Mike Sem Yewana, peuple congolais, toujours au Senga, de la moindre contribution à Bino, à Taya Moukie, tout ça n'a pas pour ça. Donc, c'est le moment si vous vraiment à soutenir l'action sur le terrain. Donc, contactez-la, comment vous avez été parce que vous avez été. Parce que le décalage d'air, il n'y a pas de problème. Il y a toujours un salaire. Donc, si vous avez audio na WhatsApp, le bas que papa, il y a une contribution na sala nini. Audio pamba. Nous avons pu coordonner Mike et Ewana à Ebindenge toujours au ensemble pour la situation. Boyete Mike, merci. Oui, merci beaucoup, Koukounou. Normalement, il y a des bandes de l'air du Nord, Makassi. Bon, en fait, moi, je m'en ai beaucoup plus dans la zone, il y a un système plus dans ma camionnette parce qu'ils ont abattu Moussoussou. Au moins, c'est comme si nous sommes là pour demander de l'argent, tout ça, rien du tout. Nous sommes là pour mener un combat et puis lancer un message pour donner l'information. Et on n'est pas en train d'obliger les gens d'agir, non. Je vous ai dit ici que non, on n'a pas besoin du nombre. On est plus de 5 millions de Congolais, mais Bato Baro, quand on va libérer Mboba Nabiso d'ici là, ils ne seront même pas 1 million de Congolais. Vous comprenez, papa Inou? Donc, si quelqu'un veut soutenir les combats que nous sommes en train de mener, même s'il y a des milliers de Congolais, quand un nombre là, mon cœur va la gaga, n'est-ce pas Toyo, Bisona Bango, comment un communion d'esprit, même s'ils sont loin, nous sommes ici parce que tous on peut pas conseiller la Bango. Il y a même des gens qui nous appellent aussi de l'Europe, de l'Amérique, pour nous donner des stratégies. Ça prouve que non, à Zanabino Temer, il est en communion d'esprit avec vous. Et avec le peu qu'ils ont, ils essayent de nous envoyer juste pour nous réconforter. Parce que aujourd'hui, celui de Bomolimbo à la Bissol Lélo, je ne pense pas que papa et non. On va commencer encore à faire des émissions pour demander, non, voilà, nous voulons ceci. Non, c'est parce que le moment ici, c'est le moment crucial.
C'est maintenant qu'on a besoin de ça. Peut-être après demain, on n'aura plus besoin de ça. On va déjà franchir cette étape. C'est maintenant que le résistant que nous sommes, le Congolais patriote, nationaliste que nous sommes, nous n'avons pas regardé comment nos âges, on n'a pas regardé nos responsabilités totales. Totalité que on voit là, totalité. Parce que lorsque le président du Mandat qui va commencer ce combat ici, il a volé la mort le 7 février Nonandé. Son fils aîné avait moins d'une année. Mais aujourd'hui, il est en vie. C'est pour dire quoi? Quand vous menez une lutte noble, mais avec le nombre de Tosali, partout dans le Congo, place Tosali, papa, une autre, je vous promets, les changements arrivent. Et vous me voyez, quand je passe à la télévision, les gens ne comprennent plus. Papa, est-ce que Mike, vraiment, est-ce qu'ils sont réfléchis? Nani Tshisekedi, il va programmer les bandes de Goneka de Maliki, déjà président. Nani Kamoulga, il a déjà la cour constitutionnelle, parce qu'il va confirmer. Les 23 ans, ils ont prêté serment. Les gens m'appellent, mais je compte ressent la ligne. Mais je suis content parce que nous avons volé tous les années, c'est pour mon papa. Tant que nous avons dit 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 les gens buvaient, les gens faisaient n'importe quoi. Mais nous avons dit que 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 nous avons dit. C'est ce que je suis en train de dire maintenant. Il y a des choses, on ne peut pas tout dévoiler dans ce type-là parce que les médias ont été très suivis. Mais le message est très clair. Le déluge arrive et la libération du Congo est proche. Et aussi. Donc, on peut s'habiller dans ma justice pour la bosse à ma disposition. Donc, on peut s'habiller dans ma tête pour la bosse à ma disposition. Dans ma tête, à le côté, on peut s'habiller, pas sur les nains, tout ça. On a mis tel et bisoté. À souligner. Bisoté, Yébi. Quand. Oui, Mike, je m'excuse de vous interrompre. À souligner que peuple congolais, article 64, et l'incolobaté que, jour mongo, boum, ma kamo changé. Article 64, les alaga, préparation, les alaga. Et le bagajour, et le bagajour, et le et le bagajour, n'est toujours au solo la boue Mike, et ça déjà article 64, n'est toujours au pèse à ma message à boue, et ça déjà préparation à article 64, n'est le président élu Martin Fallon a dit à ça la conférence de presse, ou à son pèse à ma mon ordre, et ça article 64. Donc, bon s'attendre que l'obi bou, moukolomogo m'a gampé, non. Tout ça, donc, dans le processus, on a article 64, et ils ont aussi un grand dernier maïk à l'objet stratégique. Voilà. Papa, il y a un autre. Voilà. La connexion nous fait déjà mal. Il y a quelque chose. Oui, allô. Oui, connexion. Bon? Connexion, voilà. Continuez, merci. Oui, j'ai dit ceci. L'application de l'article 64. On les prépare, mais la révolution, c'est spontané. Rappelez-vous, lors du discours du 31 décembre du président élu Martin Fayulu, il a déjà lancé les mots d'ordre. Et comme depuis le jour qu'il avait lancé les mots d'ordre, c'est depuis ces jours-là qu'on a commencé la préparation de l'article 64. Voilà. C'est pourquoi moi je vous dis que la libération en Congo est approche. Il y a des gens qui nous appellent, n'expliquent pas que non, mais si quoi le monde qui m'a pris bien les états provisoires. Ce sont des débats que vous voyez dans le média par-ci par-là. C'est normal. Même quand je suis légal, il y a un peu tout ça, confusion. Donc, tout le débat, il y a une autre chose qui est chassé, qui n'a pas tout ça. C'est la confusion. Mais plus que tout ça concerne ma camarade, le plus important pour nous, c'est de libérer les Congo. On est allé par exemple, mon amour de se positionner à côté de la carte de l'Union sacrée. Là, ce sont des crises internes. Ne pensez pas que les crises internes de l'Union sacrée, il y a un peu de libérer Mouka. Impossible. Ce ne sont pas les fissures de l'Union sacrée pour parler aux régions de combat de Bissot, ni pour parler de Fox pour nous permettre Bissot. Non. Bissot, objectif, la Bissot, cible la Bissot, les alliés du long. Et c'est lui que nous avons chassé. Et c'est lui que nous allons mettre hors d'état de nuit. Babylon, on a tout un nom, j'ai un banane, tout ça, ma casse, il va capouiller, tout ça. Dans ce qu'on concerne Bissot, il y a moins d'un banan mot qu'à comment Bissot, vous allez voir. Comme si tous les bateaux, tous les agilités. Oui, ton ami à moi, parce que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous préparer, on ne peut pas tout dévoiler à la télévision. Mais nous vous disons seulement ceci. Vous aurez des informations dans les jours qui viennent. Très proche d'ailleurs, nous allons appliquer l'article 64. Et qui l'homme que vous voyez maintenant, soi-disant
président, je ne sais pas, légalement élu, tout ça, par Kamouleta et Kadima, vous n'allez plus le voir. Nous allons appliquer l'article 64 et le peuple congolais va récupérer sa souveraineté. Après avoir récupéré notre souveraineté conformément à l'article 5 de la Constitution, nous allons maintenant les donner à qui nous voulons. Personne ne peut oser de nous voler notre légitimité. Impossible. 2023 ne se ressemble pas à 2018. Nous le disons et puis nous insistons. Et... si tout le monde pense que non, voilà, avec son union sacrée, que non, voilà, l'aventure, hold-up, le coup d'État électoral qu'il avait fait en 2018, il le fera encore en 2023, comme il l'a fait avec Kadima. En tout cas, il se trompe. N'est-ce pas que papa, il n'a pas de jour. Le champagne va mettre là, tu vois, il a le champagne, il y a fait la bonne année, il y a nouvel an. Mais plus de secondes, tu remets la champagne à libération Congo. Et d'ici là, mon papa, il nous remet la champagne à libération Congo. Et aussi. Et à partir de là, la libération du Congo sera une libération éternelle. Et parce aussi. Qu'on ne va plus rentrer dans la souffrance. Très bien. Dans notre temps, à libérer qui peuple israélien, dans l'Égypte, parce qu'on a les choses en Égypte. N'est-ce pas que tu dois libérer mon canapiso, ma cambo, ni on se m'appelle tout le monde dans mon canapiso, tu remets dans le souffle. Et puis l'homme, il va qu'on a. Et puis Mike, c'est ça le message. Oui, papa. Et puis Mike, il y a une situation, il y a quelque chose que vous venez de dire là. Parce que quand Mike a soulevé que nous n'allons plus voir Félix Tshilombo, physiquement ou en été comme président ya Congo. Donc, à cause de la sous président du Congo, à cause de la Kenya, ceux qui n'ont pas canalé ceux qui voient plus ici qu'à cause là. Mais comme président du Congo, nous n'allons plus le voir. Juste pour la rectifier, on n'a pas ce que peuple. Mais c'est ça, mon papa dit non, mais c'est ça. Voilà. Mais oui, bon. Pour ça, les pères ont bien dingue, on me dit un peu expliquer à moi parce que votre chose va déformer la langue à Batou. Voilà. Au Congo, on va les combattre, tu savais. Attends, va déformer à mon papa dit non. Nous, comme nous sommes là, on n'a plus peur. On n'a plus peur des gens. Félix, c'est un être humain comme moi. Donc on s'en fout. Nous, ce qui est là, donc nous sommes déterminés d'en finir avec la Talibanie, d'en finir avec ce régime des usurpateurs. Nous allons mettre ce régime hors d'état de nuire. Nous allons faire disparaître la milice de l'UDPS, poste des problèmes, dans un baron chaque jour. Vous n'allez plus voir cette milice-là opérationnelle au Congo. Donc vous faites disparaître en haut. Même les milices sont basées sur la tête de la police et armée. Nous demandons à tous les vrais policiers, le vrai militaire patriote, de combattre ces milices-là qui est parmi vous. Parce qu'il y a des milices dans l'armée, il y a des milices dans la. Donc, on demande aux vrais militaires congolais, aux vrais policiers congolais, lorsque nous allons appliquer l'article 64, parce que nous allons, anéantir la milice-là, parce que les milices sont très dangereuses, très barbares, et nous allons les faire disparaître. Et lorsqu'on mettra hors d'état de nuire cette milice, parce qu'ils pensent que non, milice n'a pas moins de ceux qui peuvent les enlever à appliquer l'article 64, il aura peur de cette milice, parce que parce qu'il n'a pas machette, n'a pas arme blanche, tout ça. Du progrès. Tu es ici, maman, qui nous voilà. Tu es ici, maman, qui puisse mettre les bisautés. Article 64, depuis faire la Constitution, ça fait au moins 15 ans depuis passer la Constitution, n'a pas été appliqué en haut. Quand tu as les bonsoirs, on va l'avoir appliqué en haut, ils appuient sur Congolais, n'a 2024 à haut. Et nous allons l'appliquer. Il y a moins ou moins la peur à changer du camp. Kabouya, Kazadi, tous ces gens-là, pas comme il y a l'agitation. Pas comme il y a l'agitation, pas comme il y a l'agitation. Parce qu'il y a l'agitation. Tout va se préparer. Il y a pas comme il y a l'agitation, la bise au Makambo. Oh non, parce que ça, la messe noire, ceux qui n'ont pas, c'est tout ça. Mais gloire à Dieu, Makamonio, surtout aux journalistes, on a ceux qui ont le pouvoir, mon mouton noir de la presse, à l'Ubaki, en haut, Mayoko Balaya, en haut, des revers, et moi, je l'ai aussi recadé. Donc le 4 janvier, 2024, il n'y a eu aucune activité au niveau CEPAS, parce que l'activité non surtout au niveau CEPAS, ils ont enregistré. Il n'y a eu aucune activité. Et puis le jour férié, CEPAS est pour Mamarate. Ils ont été fermés. Et le 2 jours, au plus tous les qui se passe avec le président du Martin Fayou, il y en a qui, le 31 décembre, lorsque nous avons fait la déclaration, pour dire que non, voilà, nous n'allons pas reconnaître les résultats de l'élection. Et puis, tout le monde dit que
Je vise directement le Monseigneur Tchole et à Provetar Abisso qui en tout cas faut ma foi qu'à apostiller parce que Bango Bakotia donc Batuna Bango pour nous surveiller Nyon Souana et tout le monde qui n'est pas comme le qui jusque là depuis publication des résultats Oyo ils n'ont vraiment dit quelque chose Oyo peuple congolais a voulu qu'on retenir T. Donc le discours n'a pas jusque là ils ont clarté. Parce qu'ils sont les vrais résultats. Donc, le peuple congolais a joué au tout n'a pas. Papa, il n'a pas. L'église catholique, est-ce que Babo Tika, Félix Chilombo, est-ce que Babo Yali Souté après ou Anaba Félix Félix Chilombo, Tosto Souki Wapi, est-ce que Yali, depuis ce temps-là, est-ce que Yali contact n'a présent élu, n'a Abbé Tchole ou encore Monseigneur Tchole? Oui, non, l'autre fois, je vous ai parlé de ça. Il y a peut-être les gens, ils ont compris bien. L'église catholique, je pense qu'il est très clair, et puis toi, ça va bien la sens, il y a autant à Matamou, parce que ça n'a pas de déclaration là-bas. Parce qu'il y a une déclaration pour le moment, il y a une mission d'observation, Senko et CST. Malheureusement, qui Matamou, nous sommes avant même publication des 31, je crois que c'était le 29 décembre. Oui, parce qu'il y a une CENI que, avant de publier le résultat, d'ailleurs, comme il y a eu des irrégularités massives, à CENI qui n'a pas cours des tribunaux, avec la CENI, même les Québec, au Bongi, de l'opposition. Et vous attendez quoi de cette tenue?
minimum de transparence. Mais tout le monde dit que non, malgré que j'ai mécanisme, mais quand il m'a dit que les gens ont dit que ça va être ma machine à voter dans la bande, pas voter, pas ça, et bien que non, voilà, le résultat, on va te voter dans le niveau de bureau de vote. Le résultat, on a, et qu'on peut mis à dire le mot perdant. Il y a un moment où il va tenir compte du coup de la procès verbal de dépouillement. Papa, il n'a le procès verbal de dépouillement, je vous dis, il y a que Kadima et la CENI qui détiennent ces procès verbaux. Et je vous rassure, tout ce que vous voyez là, ce sont des papiers imprimés ou dans la carte en machine. Par exemple, le procès verbal, des procès verbaux, vous allez signer par les témoins, des candidats et des partis politiques avec le membre de la CENI. Il n'y a pas de procès verbaux. Aujourd'hui, on a la difficulté d'aller même en contestation des résultats à niveau proportionnel parce que ce ne sont pas ces papiers-là que vous allez amener ça là-bas. Il faut amener les procès verbaux. Quand il m'a savait très bien que non, n'a urne, tu sais que le repos là. Il y a moins de pour la retomber l'église catholique, après si par exemple papier ou dans la machine. Même lorsque l'église catholique a parlé que non, voilà, il y a un candidat qui a plus de 50% de voix. Attends, à ce qui va résultat, on n'a pas sur base de procès verbaux parce que interdisait que même certains observateurs, il y a Senko, dans la rapport, on a pété votre missou, on les a même agressés pour ne pas avoir l'accès. Après c'est vraiment juste ma papier, on a eu qui dans la machine. Donc, le résultat, on a dit, appelé partout. Ce sont des résultats issus des machines, des résultats non compilés. Donc, c'est le résultat qui devait être compilé, ce sont des résultats où tu as qui n'a pas urne. Donc, cela veut dire. Donc cela veut dire, Mike, je m'excuse, cela veut dire Kadima nous a bien roulé, hein, a roulé peuple congolais, toute une nation. Est-ce que Bissou Peter Kondima Yango, c'est pour cela, Tozali Kaka, tu comprends Kaka, dans l'article 64, voilà, vous allez appliquer Kalaminité. Kadima nous a roulé et il pensait qu'en faisant ça, donc les Congolais ne seront pas sages pour reconnaître comment ça forfaiture. Mais aujourd'hui, même par moi, on est innocent. Ils ont compris que là, voilà. C'est que vous avez voulu faire ça à l'opposition, voilà pour voilà maintenant ils ont les binomoko. Et maintenant les vérités commencent à sortir. Il y a même les gens qui indexent les Kabouya qui n'ont pas quitté, parce qu'ils savent eux-mêmes la vérité. Donc voilà papa Ino, ne revenons pas sur ça, parce que ça c'est un simulacre d'élection. Tous ceux qui ont le Senko, la SNC Basala, on y comment, déclaration à Bango finale, parce que Basala est une déclaration préliminaire, Basala déclaration à Bango finale. On n'a pas aimé ça, parce que voilà, il y a une similaire d'élection et que, par résultat, il y a bien qu'il y avait élection, il y a par résultat, il y a le bouton, et puis, bah, c'est une annulation, il y a un script, on a. Et là, au peuple congolais, à son sélection là-bas, église catholique, la protestant, bah, l'obé, on a. Soit qui va l'obé en côté, à ce moment-là, tu comprends, que l'autre, voilà, bah, ça peut être complice dans ma gambo et outre du colica. Donc, c'est ça que je peux répondre en tout court et puis de manière claire, là. Peuple congolais, il y a un rapport préliminaire. Rapport final là-bas, il y a mission d'observation, c'est une coop SSC. Par exemple, ça, il y a un d'ici là. Je crois que peut-être que le Banaï qui est là, parce que sa publication va députer national, parce que ça, il y a un rapport final, ce qui va s'y va scriter, non, surtout. À partir de là, il y a un rapport pour la baie, il y a un rapport pour l'élection. À partir de là, ce qui vraiment, par exemple, vraiment, va ligner toujours, il y a un rapport pour solo. Je pense qu'ils vont parler le même langage avec le président du Martin Payulu, avec les Katumbi qui exigent l'annulation de ces élections. Ceux qui n'ont pas voté, papa, ils n'ont. Nous, d'ailleurs, on n'est plus concerné dans ça parce que l'unique façon pour que nous puissions avoir des élections, Moussoussou, parce que tu ne m'as jamais pour réorganiser l'élection parce qu'il y a au moins des gens en défaveur. Comme ils sont en défaveur, vous avez peut-être relingé que nous, voilà. Tout haut le bâtiment, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on a animateur dans l'institution, on a un bisou, on a un salon, on a un bisou, légitimité, la souveraineté d'un bisou. Voilà pourquoi nous allons appliquer l'article 64 pour revendiquer notre victoire. Oui, c'est Mike, ça, papa. Oui, Mike, merci, Mingi, na gozo, ta mingité, mais pour le mot de la fin, na yo, Mike, selon yo, na cadre à mot de la fin, Théodore Ngoyi, à trahir le peuple congolais ou bien accueillir en légitimement Félix Tshilombo dans le cas de la contestation à résultat dans la Cour constitutionnelle, selon vous, ils allaient quand même trahison, ils allaient quand même à quelque légitimer Félix Tshilombo comme président. Est-ce que position à Bissot par rapport il a combien de Congolais derrière lui? Non, il a peut-être trahi ses fidèles de l'Église. Il a combien de Congolais? Il a peut-être trahi ses fidèles de l'Église, peut-être les membres de sa famille, ont eu 4 000 voix, ceux qui peuvent soi-disant attribuer, pas ces nuances.
Merci Mike, merci encore une fois. Chantal Moboni, na Prince Epenge, na Yves Badjoko, Boza Ebele tellement, donc Boza vraiment Ebele, ba Lexis, ba Mote, ba Mama, Stratège, Jalingo, Boza Ebele, de son attendu pour moi, on est ensemble. Mike, merci, est-ce que vous en avez motocopé sa mot à table à tout le équipe, voilà, merci. Et puis, la bosse a été mon long à l'inaïe, maman Esther Fayoulou. Voilà. Et nous avons dit que nous avons fait sa beauté.
na les grands coachs, au domaine dans les grands coachs, les secrétaires généraux des forces qui t'occupent. Information, nous sommes dans le poste qui connaît Bissaba, dans le monde de Bazali. Papa, une autre chose qui est dans le Conseil national est parti. Conseil national est parti, la Bissau est signée. Et ça, les deuxième organe après le Congrès, à la Conseil national. Et que ça a du 22 au 25. Donc, c'est vraiment une information très importante que je voulais oublier. Donc, tout le monde qui est dans le Conseil national du 22 au 25 janvier. Allô? Toujours là, merci. Et du 22 au 25 janvier, pour nous faire la restructuration profonde, la partie de Bissau, pour les Baratobana qui voient plutôt combien de pays, tout le monde qui est parce que. Bah, convoquer le Conseil national de Rwanda, ils ont pour la fatalité. Parce que tout comme il a fait nous soit à combat, et c'est lui, tout restructuré parti dans le bisou, tout est animateur, nous sommes à Sika, au bas de la morale d'Astier, pour nous franchir le combat au Autobani, soit à Matassi, pour nous remettre fin à régime. Donc c'était ça l'information que je voulais donner. Trop d'infiltrés, il faut vraiment qu'on ça la tamissage. Donc, le Congrès national a décidé, il s'agit du 22 au 25, c'est ça l'information que je voulais donner à tout le monde. Et je crois que Papa Uno, pour recevoir la résolution, le mot est bien au Yéba, décidé comme une nini, et comme une nini, nini, nani, ouais, nani, nani, ouais, ça nani, est-ce que Mike a toujours un founa, à l'homme, à comme une nani, ma gamme, on a trouvé un mot après le Conseil national. Mais pour l'instant, tous en la caserne, tous en la Samaï, tous en Bosséti, aux en soutien, passé par Papa Uno, il vous donnera mon contact. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, Mike. En tout cas, on se parle dans CCC. Voilà, j'ai salué aussi mon président, président élu, Martin Fayoum Madidi. Bolinga, Bolinga, te Abozala, toujours président élu, véritablement élu, et ça n'est yéwana. Merci, Mike. Tout seul. Voilà. Bana Congo, au bout du coup, il salue le fils politique, Martin Fayoum Madidi. Il salue Mike Sam, moi, voilà.